Chambre. Salade. Chambre. Salade. Chambre. Salade. Cure de palmier. 5-0. Poisson. Viande. Poisson. Viande. Omelette. 5-A. Haricots. Frites. Haricots. Frites. Haricots. Frites. Haricots. Frites. Haricots. Frites. Haricots. Courgettes. 5-10. Oh. 20. Oh. 20. Oh. 20. Mirabelle. Faux. Fromage. Dessert. Fromage. Dessert. Fromage. Dessert. Café. Avantage service. マグロを切ります。 これから飾り付けます。 ナスを切ります。 トマトを切ります。 人参を切ります。 はい、 これで終わりです。 L'homme s'apprête à exécuter la recette de la cervelle de veau au fromage. Il pèle un oignon et le pique avec deux clous de girofle. Il le met dans un faitout avec une branche de thym, une pincée de sel, de préférence du sel marin, en y ajoutant éventuellement une petite feuille de laurier, sans oublier deux cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. Il fait bouillir pendant un quart d'heure, puis il laissera refroidir. Ah ben, va falloir faire bouillir pendant 15 minutes, puis laisser refroidir.
Il lave les deux cervelles de veau à l'eau courante, les laisse tremper, puis avec un petit linge fin, détache la pellicule mince qui les recouvre. Il met les cervelles ainsi nettoyées dans le courbouillon froid, porte à ébullition et laissera frémir pendant 20 minutes avant d'égoutter. Maintenant, il nettoie à l'eau citronnée 200 g de champignons de Paris frais cueillis et il les égoutte. Il beurre un plat à gratin, il dispose dans le fond du plat les champignons qu'il a soigneusement émincés, puis les cervelles coupées en tranches régulières. Il couvre avec le fromage finement râpé, 1 dl de crème fraîche épaisse et du persil haché en quantité suffisante. Il poivre généreusement, parsème de quelques noisettes de beurre et met à four chaud pendant 10 minutes. Thank you, Lord God, for cows and pigs and sheep and chickens. With tenderness and succulence, you have blessed us. And with hunger in our hearts and stomachs, we will forevermore show gratitude. Amen. 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 Let us eat. Termine ton plat maintenant. C'est vrai que ce soi-disant journaliste utilisait beaucoup de mots pour dire qu'il ne savait rien. Il aurait pu faire beaucoup plus court. Il est vrai que les programmes télévisés sont de plus en plus abrutissants et que les bons magazines et documentaires sont de plus en plus rares. J'ai des amis qui reviennent justement. De se démonter. Eh bien, il se défend, l'animal. Je comprends pas. Toujours les mêmes choses. Vous savez, maintenant, c'est vraiment ça. Oui, c'est très honnête. How very strange. No, not really. I got used to it. No, no, look. No meat. I don't eat meat. Is there anything wrong with the beef, Alistair? No, it's lovely. Well, eat it then. Alistair's proposed. Oh, my God! Well. Yes, it's to be a June wedding. I think this calls for a drink. A toast. The family. The family. Family.
Don't you like seafood, Dermot? Yes, it's most refreshing. Seule chose, c'est vous mettre dans leur lit. Bien sûr, moi aussi je suis un homme comme les autres, avec ses désirs et ses pulsions. Tu vas voir comme elles sont belles, mes pulsions. Ce soir, bien grosses, bien lourdes et toutes poilues. C'est à votre cœur que j'en veux. Elles tiennent dans la main, mais elles ne fondent pas dans la bouche. Vous me plaisez, Patricia. C'est vrai, je suis pas un séducteur ni un professionnel de la drague, mais... Ma grosse bite de 32 cm, elle te fait rêver. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de grave. Touche comme c'est dur, l'acier. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Ma chine, vous savez. Non. Déche. De toi, Boba, déche. Qui est? Non, 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 para, para, non, isso não, para, para, ah, agora tá querendo fugir, não é? É, tá com medo, é? E agora, quem que é macho aqui, hein? Hein? Diabinha. Não, não, você por cima não, para, para, para. Ah, ah. Vous pouvez être fier. 52 cm. 3,5 kg. Et quand ça ne crie plus, c'est que c'est cuit. Siberia, caramel, popcorn, hot dog, tripes, choucroute garnie, bœuf, stroganoff, fondue, religieuse, relique. Quand les amis viennent à la maison, devinez un peu ce que nous faisons. On met un disque sur le phono et la bassine sur le fourneau. Connaissez-vous Pronto? C'est drôlement bon. J'aime bien faire une seule bouchée des jaunes d'œufs sur le plat. Manger le jambon, même le papier. Et croquer les oreilles avec les petits beurres. Mais j'aime pas laisser un petit pois tout seul dans mon assiette. Merci. Allez, mange!
Mange, Jérôme, ça va être froid. Je crois que j'ai trop mangé. T'as trop mangé? T'entends ça, André? Il dit qu'il a trop mangé. Ouais, j'ai entendu. Mange, fiston. Faut manger, c'est bon. Ton père a raison, c'est bon. Et puis t'as presque rien mangé. Une dizaine de saucisses et pas plus de toast. Tu veux quand même pas aller à la piscine le ventre vide, non? Allez, mange, je t'apporte ton goûter. Maintenant. Oui. Mange. Non, ne joue pas avec la nourriture. Mange. 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 Oui, mange, mange. Ah. Santé, bonheur. C'est vraiment bon. Et comment donc? Mange. Si c'est trop difficile, eh bien mange ta main. Et tu garderas l'autre pour demain. Tu te souviens de la Daphné? Oui, le navire qui a fait naufrage au large des Comores. Eh bien, nous nous sommes retrouvés à neuf dans une chaloupe. Et au bout de 5 jours, nous mourions tous de faim. Le docteur, qui avait conservé sa trousse et ses pinces hémostatiques, proposa alors, au lieu de manger quelqu'un tout entier, qu'on tire au sort une jambe et un bras. Un sort malheureux tomba sur la seule jeune femme de notre groupe. Et il faut admettre qu'elle était très appétissante. La galanterie française n'était pas morte, monsieur. Notre ami, ici présent, offrit son propre bras. Chacun y alla d'abord d'une jambe, contenant plus de chair qu'un bras, et plus facile à remplacer. Pour les malchanceux, les deux. Et bien entendu, seule madame, que notre ami désirait conserver intacte, pour des raisons qui vous apparaîtront clairement, fut préservée de notre funeste tirage au sort. Malheureusement, mon cher ami, il nous est arrivé quelque chose de fâcheux. C'est que tous ici présents, ma femme comprise, et qui pendant cette période ne s'est jamais si bien portée, tous, disais-je, nous avons conservé le goût de la chair humaine, et nous nous réunissons tous les ans pour manger notre chair favorite. Entrez vos mains, capitaine Michel. Quelle merveilleuse blancheur des peaux. Chicken, please. Certainly, madam. This one?
Mais soit. Je vais à des soins. I am the chicken. Think chicken. Vous avez compris quoi, jeune homme? J'ai compris, monsieur. J'ai tout compris. Vous avez tout compris? Vous avez de la chance. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire avec votre baguette? Je vais la manger. Et après? J'en achèterai une autre. Et que ferez-vous avec votre autre baguette? Je vais la manger. Et après? J'en achèterai une autre. Et après? Après? J'en mangerai encore une. Enfin, j'espère. Très bien. Et là, après? Après, rien. Je serai mort. Mais tout ça ira où? Au cimetière. Au cimetière. Et qu'est-ce qu'il fera au cimetière? Rien. Ça se diluera, ça se mélangera, ça fera de la terre. Et qu'est-ce qui pousse dans la terre? Des carottes, des pommes de terre, des navets, des salades. Non, monsieur. Du blé. Du blé. Du blé. Maintenant, moi, j'en fais du pain. Parce que vous êtes tous des grains de blé en sursis. Fais-moi des couscous, chérie. Fais-moi des couscous.